Everyone, and welcome to this video. Basically, what you're going to be seeing today is just a timeline of me starting from September 2018 up until now, April 2019, and how I've improved in French. So just to give you guys a little bit of a background, I came to France in September 2018, and I had never taken a single class of French or, you know, had any experience speaking the language, reading the language. I had basically only done a little bit of self-study using applications on my phone like Duolingo, or just trying to watch YouTube videos in French to see if I can grasp a bit of vocabulary. I think I made quite a bit of progress throughout my time here living in France. I would say now I'm at a B2 level, but you can be a judge of that at the end of this video when you see my very last video of me speaking French. Yeah, I think that's everything I have to mention before you watch the video. As I've said before, I literally had no experience speaking French, so please excuse my very numerous grammar mistakes that I make. C'est parti! Bonjour tout le monde! Ça c'est la première vidéo que je vais faire. C'est le premier mois et je veux faire cette vidéo parce que je voudrais voir les progrès que je vais avoir avec mon français. Désolée, pardon si tu peux écouter un petit peu de crier dans le plafond parce qu'il y a une école juste là. Oui, je vis dans la 15e à Paris et je suis déjà là pour 3 mois. Je m'appelle Cécilie, j'ai 19 ans. Mon couleur préférée, c'est la couleur jaune. Je pense que c'est tout. On se voit en un mois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis allée au chez le docteur parce que le week-end passé, j'ai de l'asthme très très mal. Il y a beaucoup de manifestations ici à Paris parce que les gilets jaunes, ils font des manifestations. Il y a un mois déjà. Et le week-end passé, samedi, je suis allée avec mon amie à une manifestation. Et beaucoup de personnes qui a utilisé les tear gas bombs, et avec ça mon asthme ça a devenu très très mal, et comme ça j'ai acheté ça au pharmacie. Demain je vais déménager de cet appartement et je vais déménager à mon nouveau studio, et je suis très contente parce que je vais avoir mon espace personnel. Oui, c'est presque Noël. Oui, ça c'est tout. Bisous. Et je suis en train de faire cette vidéo pour vous, pour voir mon niveau de français. Alors, c'est presque midi. Et je crois que je vais commencer le travail aujourd'hui à 1h30. Donc voilà, je vais prendre la douche bientôt. Je vais me préparer pour la journée. Ma voix, c'est très grave aujourd'hui. Mais c'est pas ma faute, alors c'est comme ça la vie, non? Donc bonjour à tous, peut-être je dois dire bonsoir parce que c'est déjà 8h40, mais c'est pas grave, quand même c'est pareil, je trouve. Alors
Je vais faire une mise à jour parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Moi j'avais arrêté de faire des courses français parce que moi je me sens que je dois pratiquer juste avec la conversation et je n'avais pas beaucoup d'opportunités dans la classe de parler en français. On a fait juste beaucoup de choses dans les livres. On a fait beaucoup des examens, beaucoup des tests et tout ça, mais on n'a pas eu beaucoup de practice pour parler. Et c'est normalement comme ça dans les écoles, mais c'est pas grave, c'est juste les façons qu'ils ont fait les choses. Il y a des gens qui peuvent apprendre comme ça très très bien, mais ça marche pas très bien pour moi. Alors, merci beaucoup. Si tu veux que je fasse des autres vidéos en français, tu peux me dire dans les commentaires, ou tu peux me mettre un like. Voilà, c'est tout. Au revoir, ciao ciao. I hope to make another one of these videos of how my French has progressed in another 6 months or in another couple months. I really hope you enjoy the video. Thank you.